aujourd'hui, on va mettre en titre le titre de champion au jeu de char sur le Wii Play. Donc il faut savoir qu'il y a un certain combat entre moi et Lou parce que lui a décroché la médaille d'or, mais est une vraie bite lorsqu'il s'agit de m'affronter. Rien à rajouter, c'est très bien. Il faut être deux joueurs. Franchement, je sais pas si c'est nécessaire. Alors, on joue en coopération ou on joue contre? Je te propose deux parties. D'accord. Une en coopération, on va le plus loin possible, et on compte les points. On affichera le scoring avec une addition par-dessus la vidéo, comme ça les gens verront bien. Et une en duel, on aura le droit de s'assassiner mutuellement. Le mode PVP. Ouais, exactement. Okay. C'est parti. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le but du jeu, les deux personnes qui ne connaîtraient pas le but du jeu parmi les 12 qui regardent notre chaîne, le but du jeu est tout simplement de éliminer les chars adverses de cette manière pour collecter des points et passer des missions. Normalement, le jeu est en coopération et propose quand même un système de scoring. Voilà, c'est encore moi qui gagne comme d'habitude alors qu'il avait l'avantage. Propose un système de scoring pour savoir lequel des deux joueurs est le meilleur. Donc il faut savoir que nos chars peuvent tirer, si je ne dis pas de bêtises, 6 balles chacun. Et ces 6 balles peuvent ricocher une fois. Donc 5 balles, et ces 5 balles peuvent ricocher une fois chacune. Bon, j'explique le jeu, le mec qui marque des points. Nous avons deux armes. Nous avons les balles classiques que vous venez de voir, qui sont dirigées par la Wiimote. Et nous avons aussi des mines, qui se règlent, voilà, comme ça. En appuyant sur A, ça pose des petits ballons de foot enterrés dans le sol, là c'est des mines. Et elles explosent avec un timer ou au contact de char ennemi si nous sommes hors de portée. On peut également les activer prématurément en tirant dessus. Et je suis mort. C'est vraiment surprenant. Là j'ai rien à faire, le jeu se finit tout seul pour moi. Donc égalité, les règles sont terminées. Donc Lou, est-ce que tu as quelque chose à dire concernant ta défaite proche? Alors déjà, y a pas de défaite, donc j'ai pas besoin de commenter là-dessus. Pas de défaite pour toi ou pas de défaite globale? Les deux. Voilà, hein, déjà, les points qui se rattrapent. Heureusement que tu avais pris d'avance pour vous donner les explications. J'ai hâte de voir ta tête de Béoran quand tu vas mettre la vidéo en ligne. Je suis mort, je sais pas si t'as remarqué aussi. Quel... Ah! C'est très décevant. Je suis mort à la première balle. Je rappelle que cet homme est censé posséder la médaille d'or sur ce jeu. Hein. Il meurt à la deuxième mission. Je suis rouillé, c'est comme ça. Voilà, hop, c'est comme ça qu'on fait. Je vais vous montrer comment fonctionnent les mines. J'appuie sur A derrière le mur ici. Je tire. Voilà, ça permet d'éclater les petits murets fragiles comme ça. Et éventuellement de détruire des chars au besoin. Donc voilà, hein, 12 à 6. Donc j'en profite aussi pour vous annoncer que nous allons faire des lives aussi sur notre chaîne Twitch. Donc NAG Corporation avec pour le moment N underscore A underscore G underscore Corporation, tout en minuscule comme sur Twitch. Je liverai moi personnellement des jeux de Wii, genre le jeu des chars, essayer de choper la médaille d'or enfin. Et aussi du César 3 parce que ça se prête très bien à du let's play en direct. Alors moi personnellement, alors je vais faire un peu de live, mais ça va pas être principalement mon centre d'intérêt. Mais je vais commencer un let's play, et pas sur Paper Mario, ni Paper Mario la porte millénaire, je me contredis tout le temps, mais sur Mario RPG. Parce que je me dis, autant commencer par le premier, comme ça, il n'y a plus de problème. Du coup, j'en ferai peut-être quelques... Laisse-moi finir d'expliquer. Je comprends ce que tu vivais. 21 à 8! Ah là 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 là, ce viol! Du coup, oui, je ferai peut-être quelques lives sur le jeu de temps en temps pour certaines parties importantes, etc. Mais principalement un let's play ou playthrough, je dirais. Du coup, sur un jeu que je n'ai jamais joué, donc si jamais vous y avez joué, bah déjà, me spoilez pas. Oh, doucement, doucement. Oui, je disais, si vous y avez joué, ne me spoilez pas dans les commentaires. Et puis,
Et bah j'espère qu'on va pouvoir apprécier de jouer ensemble parce que bah, c'est la première fois que je joue. J'ai rien d'autre à rajouter. Je vous souhaiterais un bon let's play au moment voulu. Donc est-ce que l'on peut reprendre des scores là pour savoir où on est chacun? On est à 21 à 16. Okay. Alors il faut savoir que chaque char ennemi possède des pouvoirs différents qui sont indiqués par sa couleur. Donc les chars que nous venons d'affronter peuvent faire ricocher leurs missiles 3 fois. Et c'est pour cette raison qu'ils sont tout simplement mes ennemis les plus terribles. J'ai beaucoup de mal à anticiper leurs tirs. Moi comme j'aime bien faire des maths, c'est les ennemis que j'aime le plus. Non mais chacun ses passions. Hein. Moi mon truc c'est la guerre de chars, pas les calculs de vecteurs. Donc j'espère qu'on nous entendra bien sur la vidéo. C'est pas la première fois qu'on essaie de faire un let's play de chars, mais la dernière fois on n'était pas convaincu. Donc on retente l'expérience et on verra si c'est mieux. Oh c'est moi ça. Non. On est morts tous les deux. Ah merde. Je viens de mourir à l'instant où t'es mort. Mais c'était pas toi ça. Non, moi je suis là-bas. Ah, ah j'ai vraiment cru que c'était toi. Bon, du coup, je t'ai tué dans ta logique, c'est ça. Ce n'est pas grave. 26 à 19, donc pour la partie coopération, je te viole. On s'en fout, c'était pas le but des points. Le but c'était. Ah, et tout le monde s'attendait à ce que je te batte. Bon bah moi je viens, on a plus besoin de continuer, hein. C'est bon j'ai gagné. Si je me suicide et que je te tue juste avant, théoriquement j'ai gagné. Vas-y essaye. Donc là monsieur Beauron profite de ce qu'on appelle l'avantage du joueur. C'est-à-dire que son placement était avantageux. Pour le deuxième niveau, pour le premier c'est juste que j'étais en train de parler encore une fois parce que monsieur commande beaucoup la partie. Quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Ça ne surprendra pas. Ça voilà, le problème du mode PVP, c'est que j'ai tendance à vouloir m'approcher trop des chars pour avantager mes coups et gagner le plus de points possible. Oui, bien sûr. Donc 4 à 5. Ce qui fait que je mets. Et c'est parti! J'ai l'impression d'être un déchet surhumain. C'est à se demander finalement si c'est pas un mode coopératif puisque sans moi il serait mort à chaque fois. Vous venez à présent de constater un meurtre en bonne et due forme. C'est effectivement le mode PVP. 8 à 7. Alors je tiens à préciser que contrairement à l'idée que Monsieur Beauran vient de donner juste avant, je ne suis pas pour me suicider dès l'instant où j'ai un meilleur score que lui. J'ai ce que l'on appelle en fait de l'honneur. Cette chose existe, vraiment. De l'honneur, mais avec fourberie toujours. Alors... Mais quand même, je tiens à ce que le... Waouh. Meilleur tir de tous les temps. Je tiens à ce que le scoring soit quand même le plus honnête possible, le plus parlant. Sans moi, tu gagnes de 1, je crois. Oui, mais... Je te félicite. Quelque part, sans moi, on n'aurait pas fini les niveaux, donc... Laisse-moi te féliciter. Bravo. Bravo. Non, j'applaudis, tu as su esquiver les tirs. Parce que j'étais concentré, je ne parlais plus. Ah oui, mais c'est important de... savoir commenter un petit peu ses actions, ses actes héroïques. Voilà, quand on finit le jeu en deux tirs et qu'on marque tous les points de la game. Non, mais voilà, c'est important ce genre de choses. Alors, les roses qui ont le pouvoir de tuer, visiblement. C'était mieux la dernière fois quand ils mouraient très vite, si tu t'en souviens. C'est vrai que la dernière fois, on leur a laissé aucune chance. Donc vous voyez quand même la différence de level. Monsieur se vante d'être le héros puisqu'il a gagné la médaille d'or. Mais finalement, est-ce qu'on ne constate pas une large dominance de ma part?
Alors, je précise pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, il y a 4 médailles parmi les jeux. La bronze, théoriquement tout le monde l'a si tu joues un petit peu au jeu. L'argent qui est un petit peu dur, mais ça va. Et l'or qui est d'un niveau difficile. Et la platine qui... je ne m'expliquerai rien. La platine qui est absolument impossible là. Voilà, exactement. Ce fut rapide. Alors, le score. Hey, voilà, moi je dis... Alors, comment nous allons calculer les scores? En fait, nous allons donner un point supplémentaire pour chaque niveau de char, ce qui fait que le char le plus faible vaut un point pour chaque char éliminé. Les chars marron foncé vaudront 2 points par char éliminé, et ainsi de suite. Un point supplémentaire pour chaque rang de char. Et nous verrons donc qui a gagné. Je te propose une dernière partie. Une dernière partie, coopérative. Partie coopérative, d'accord. J'ai totalement changé le jeu. Bien joué. Ouais, c'est histoire de montrer effectivement le score important. Est-ce que tu veux faire une partie de char ou une partie de ballon? Une partie de char. Une partie de char. Les ballons, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Alors. Donc si vous vous demandez, le fond de la vidéo, c'est un fond Gurren Panzer qui est probablement le meilleur animé de combat de chars avec des jolies filles de tous les temps. Quelque chose à c'est résumé, c'est bien résumé, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vous voyez, là j'ai profité effectivement d'un bon départ, puisque mon adversaire n'avait absolument aucune chance de l'avoir avant moi. Pourquoi tu me considères un adversaire dans une partie coopérative? Parce que je veux faire plus de points, toi. Wow! Non mais voyons, la balle est extrêmement bien prévue. Oh bâtard. Oh bâtard! Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Monsieur Béoran, j'espère que tu as vraiment l'air ridicule. Alors pour information, hein, des gens se posent la question, donc je ne suis pas renommé Monsieur Béoran. Non, c'est simplement que bah, de toute façon, vous le verrez très vite, il aura juste une Béoran sur la tronche pendant toute la vidéo. Les joies de l'anonymat. Exactement. Ah, vous pouvez m'appeler Monsieur Béoran si ça vous souhaite, mais... Alors, pas m'appeler comme ça dans mes futurs let's play. Je tiens à préciser que c'était peut-être un meurtre, ce qui vient de se passer. On verra sur le replay. Donc, nous avons tous nos techniques favorites, hein. Il y en a plusieurs, l'éventail, le double éventail, le sniper... Moi, j'aime bien la technique bourrin. Consiste à mourir. Elle a l'avantage de mourir. c'est pratique. Bon, comme vous pouvez le constater. C'est sur cela que nous allons nous quitter. Avec une fin tout à fait digne de tout le reste de notre chaîne. On est d'accord qu'on mettra une Béoran sur mon score. Ah non, ça, non, pas de problème. D'ailleurs, profitons-en, regardons. 3 parties, 3 victoires pour moi. Je pense que je suis officiellement. Le champion, vidéo, le champion des petits chars de WePlay. Enfin, je maintiens, j'accepte ton défi. J'attends que tu montres en vidéo, en let's play, toi qui fais la médaille d'or. Ça viendra. Espérons qu'il y ait un petit peu de public. Sur ce, on vous laisse. Passez une bonne soirée. Et puis à la prochaine fois.